Oui, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, Colin Smiller-Donald, qui écrit pour Eric Fautso, Joseph Fautso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatu, qui est également produit parce qu'on appelle le même Le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des Canals d'Or, elle s'appelle Madame Colette Chatuier et on lui dit bon jeudi, madame, bon jeudi. Nous ne sommes pas jeudi. Nous ne sommes pas jeudi. Tu veux à nous. À quoi Clem Manier, là, vraiment Bon mercredi, la mère. On reçoit des faux premiers. Vous savez, l'humour, c'est comme l'amour, c'est comme la vie. C'est chacun qui choisit son couloir. Président Chop Chop, il est président de la République du Jambo. Cabré Nandip est chef du quartier Namton. Kalagang est le plus chaud de la terre. Fingon Tralala, c'est elle, professeur. Et notre invité, des faux premiers du nom du haut, de son nom de majesté, est l'ami, l'acolyte, le conseiller, le prophète et même le président autoprogrammé des théoristes. Voilà, donc. C'est quoi les théoristes? Quand tu as un anniversaire, un mariage, des funérailles, des neuvaines, c'est des gens que tu n'invites pas, mais que tu trouves. C'est des gens que tu ne sais pas d'où ils sortent, mais ils boivent et ils mangent tout. C'est des habitudes, en tout cas. Chacun de nous a été au moins une fois dans sa vie théoriste. Ah bon? Oui, sérieusement. Tu as fait au moins une fois le je m'invite à une fête. Et tu as justement trouvé le moyen de théoriser ça et d'entrer dans un personnage qui est juste unique et qui parle à tout le monde. Mais bien avant d'être celui qui va faire fureur sur les groupes WhatsApp en audio ou qui va faire la pluie et le beau temps sur YouTube et sur Facebook, tu es d'abord un comédien qui sait quand même un comédien et acteur qui sait faire rire avec absolument tout. On revient en 2010, en 2008, on est à Yaoundé et tu as la tête d'une troupe qui a quand même un nom, un genre, hein, les têtes vides. Hein, tu vois, je sais pas comment on peut faire pour prospérer avec un nom pareil. Les têtes vides qui deviendront les féroces de la capitale. Tu vas essayer des courts et longs métrages, notamment Le Crayon de Dieu. Ça ne marche pas véritablement, ça décolle pas du tout. Tu essayes de raffiner. Pistolet comme tu peux, tu vas monter également DS Comédie avant de te dire que ben, il faut bien trouver, pouvoir trouver. Si ça ne marche pas en groupe, il faut bien pouvoir trouver son chemin en solo. Ouais. Mais tu te retires et tu essayes de créer donc ce personnage qui fascine tout le monde. Toujours et qui avec va les plastiques. Toujours avec les plastiques et qui va commencer par faire fureur sur les groupes WhatsApp puisque tu sors, comment dire, le code du théoriste. Toujours avoir son plastique, savoir détecter les pètes, savoir comment faire pour jongler la nourriture et mettre dans ton plastique, partir avant qu'on ne le détecte. C'est vraiment tout un personnage que tu crées et qui va commencer à fasciner de l'audio qu'on avait, de la voix qui résonnait dans nos tympans, au personnage, à la personne qu'on a dû coller désormais, qui est une vedette, et qui a même au boulevard 237 de l'année 2021 gagné le prix de meilleur humoriste, même si... Bon, et, qui a pleuré pour la nomination au Canal d'Or, on aura peut-être l'occasion de parler de ça, qui sait, mais justement, à côté... Quand on ouvre les pleurs, là. De ton personnage, tu sais t'adapter en jouant avec les autres, Cabrel, Fingon, et ça marche plutôt très bien pour toi, ta fanbase grandit énormément, et c'est un plaisir de t'avoir, bienvenue Défaut Premier. Oui, voilà, cool. Défaut Premier est notre invité, attention il a un plastique, mais heureusement on n'a pas de buffet ici, donc je pense que ça va être très compliqué pour lui de rentrer le plastique plein, il va nous retrouver sur ce plateau, il va utiliser plus sa bouche pour nous parler que pour manger, et c'est parti avec le résumé de cet artiste en images.